On fait un petit reportage. Donc, Madame Marie-Clis, Chana, bonjour. Et Jean-Luna, qui est à la vidéo, et Chana à la photographie. Bonjour. Qui font partie de leurs attributions et de leurs cours. Donc, on vous a organisé une petite visite dans un lieu de réunion, puisqu'on a comme ça l'exposition. Vous pouvez visiter. C'est la salle de réunion d'établissement. Voilà. Et donc, au niveau de cette édition-là, cette mise en page, tout le travail que vous allez avoir au niveau graphique, bien sûr, mais ils sont en capacité de pouvoir créer des books. Et là, on a indiqué. Là, c'est un book par élève ou c'est un book par élève ? Non, c'est un book par élève. C'est un book par élève. Ça, c'est un book par élève. On a tiré pour les expos ici des pages de ces books-là. Et chaque élève s'oriente vers une école. Là, vous avez par exemple le book qui va avoir une notation architecturale, puisqu'on récupère beaucoup d'élèves en animation, puisqu'on a recruté un professionnel, justement, sur. Alors, on a 4 heures d'atelier animation dans le dessiné storyboard. Voilà, c'était ma question. On a 4 heures d'infographie avec un professionnel. On a 4 heures de vidéo cinéma, photographie et histoire du cinéma. On a 4 heures d'art plastique. On a 4 heures d'art. Ensuite, on va avoir 6 heures d'histoire de l'art. 2 heures de philosophie, 2 heures d'anglais, 4 heures de littérature et 4 heures de scénographie, théâtre vivant. Donc tout ce que je vous dis là, vous l'avez sur le site en accès. Là, vous avez la formation en lycée, donc de la seconde à la terminale avec les options lourdes. Vous avez la même chose en musique et ça finit avec le. C'est pour ça que le document s'appelle Lycée des Arts. Parlons de la réforme du lycée. Oui. Comment tirer parti ? Moi, j'aimerais bien qu'on donne une coloration artistique au lycée. C'est hyper important parce qu'on se différencie aussi par rapport à certains enseignements. D'accord ? Donc on a des enseignements différents des autres, par rapport à l'animation, par rapport à l'intégration de la langue de Corse, sur ce qui est de l'ordre de la symbolique du territoire. Mais qui est déjà sur la cette année ? Oui, on y est depuis. On était sur post-bac en 2014, oui. Oui, sur la plateforme dès la dernière rentrée. Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est les paramètres de l'an dernier. Et on va les retravailler à nouveau, hein, mais voilà. Ensuite, là, vous avez toutes les réussites de vos élèves qui vont, par exemple, l'école de Sèvres, d'autres qui vont en école de design, certains vont aller sur des universités. Ensuite, on va avoir des élèves qui vont rentrer dans tout ce qui va être de l'ordre de l'architecture, de la bande dessinée sur les masters, par exemple, sur Poitiers. D'autres vont être sur Paris-Val-de-Seine. Les Beaux-Arts, donc c'est vraiment très 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 spécifique, et sur le profil Parcoursup, on montre les formations auxquelles on accède. En moyenne, combien d'élèves ? En moyenne, l'effectif, entre 14 et 19. Entre 14 et 19, et quel est le pourcentage de ceux qui trouvent une formation ? 90%. 90%. Des élèves qui vont s'orienter vraiment vers des écoles complètement différentes, donc c'est un enseignement à la carte, très particulier. Cette année, on est beaucoup sur l'animation. Le poste d'animation, c'est qu'il y a 3 écoles publiques, et après, elles sont toutes les différentes. Entre 14 et 19 élèves, et 90% d'entre eux qui, à l'issue de la préparation de la classe préparatoire, intègrent une école ou l'université. Ou l'université, parce que c'est un choix. Pour les compagnons du lycée Titien, on a une subvention qui nous est donnée par la collectivité, parce qu'on l'a demandé, et c'est une subvention qui est sous la forme de bourse et délivrée en fonction des revenus, des critères qu'on met en place le lycée, et que l'on met les élèves pour passer les bureaux, voilà. Puisque les écrits peuvent se faire encore dans les grandes écoles, on a réussi à obtenir les écrits. En ce qui concerne les euros, on aide les élèves. Donc la convention justement avec la faculté qui va leur permettre d'avoir leur statut d'étudiant, de travailler avec le Crous, etc., etc. Donc ça, c'est au niveau administratif. Je peux vous permettre peut-être solliciter la collectivité, si ce dispositif existe pour la classe préparée. Pour les deux prépas, pour Bastia aussi. On est aidé pour Bastia, pour Epourcaille et pour Bastia, pour la prépa de Bastia. Ensuite, il y a l'aide de l'investisseur social, puisqu'ils auront un peu d'inscription à l'impact. Le Crous, simplement se présenter, nous dire quel était son établissement d'origine, et surtout quels sont ses projets pour la suite. Je m'appelle Bianca Lissébla, je viens de Porto-Bec, j'ai passé mes études ici, et plus tard je m'intéresse à l'expertise en art, ou plutôt vers le design. Vous voulez juste
expertise en art, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire le marché de l'art, tout ce qui est le commerce, le management, tout ce qui est en rapport avec les œuvres. Je m'appelle Justine Berit, je viens de Portobec et comme Célia, j'ai passé mes 3 ans de lycée ici. Et dans la perspective de la classe préparatoire. Au début, non, juste pour faire du coup l'option art plastique et ensuite j'ai développé l'envie de devenir ici. Et par conséquent, du coup, je m'oriente vers soit de l'animation ou de la scénographie. Je m'appelle Marie-Jean Bonnette, j'ai passé un bac S au lycée Saint-Paul à Ajaccio. Et après, au départ, je voulais peut-être m'orienter vers l'animation, mais c'est vrai qu'en parlant avec les différents profs, j'ai aussi vu peut-être de la robotique. C'est totalement différent, mais je m'intéresse à d'autres domaines. Donc, je verrai. Vous êtes la seule à être étudiante scientifique? Non, on est deux. Tous les élèves de l'établissement passent là. Voilà. Donc là, vous avez, ils sont en train de travailler, donc ils ont leur truc ici. On accroche un peu ce qu'ils sont en train de faire, on retravaille le son. Voilà, donc là on est sur des objets à la fois en volume et en niveau graphique. Donc là on est sur des contenus, ils sont en nature morte. Donc comme ils sont un peu là, j'ai fait avec le sablier, l'ouvrage. Donc c'est en nature morte. Ils travaillent pas mal aussi sur tout ce qui est de l'ordre de la création, le storyboard, donc ils réfléchissent les projets plastiques, il y a plein d'intentions, problématiques, notions. Donc c'est très très calé au niveau de la marche. Lesquels d'entre vous éventuellement envisagent une poursuite d'études à l'étranger? Eh oui, c'est ça qui est... Alors, ceux qui sont à l'étranger, on en a beaucoup qui sont sur le Canada, beaucoup en Belgique, parce que justement, ça offre pas mal d'opportunités. Les écoles qui ont le profil qui correspond à leurs demandes, qui ont les spécialisations et qui en plus ont ce système d'Erasmus qui va leur permettre de partir après à l'étranger. C'est pour ça que c'est difficile de faire un choix. Et puis bon, après, ils vont être pris aussi. Voilà. Parce que les sélections sont assez... Et les beaux-arts se spécialisent de plus en plus. L'image de l'artiste bohème, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.